Cette assistance, nous le savons, ne pourra pas effacer votre peine. Elle ne pourra pas non plus éteindre la douleur de la perte de la chair, car rien ne vaut la vie. Cependant, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de Dieu en qui vous croyez, je vous demande pardon. Et je vous demande à votre tour de pardonner et je me réjouis que vous ayez pardonné. Chers frères et sœurs, que votre vengeance soit le pardon et la paix pour la Côte d'Ivoire. En l'honneur de nos disparus et en souvenir de tous ces martyrs qu'on n'avait pas nous réunis aujourd'hui, et que leur mort ne soit pas vaine, ensemble, main dans la main, nous devons œuvrer pour faire de notre pays un havre de paix. Chaque jour, nous devons cultiver l'amour et le pardon. En définitive, sont les deux faces d'une même pièce.